Bonjour, c'est Igor Bogdanov. Non, c'est Grishka. Ah, ça fait du monde. Bonjour tout le monde, c'est Julien Lepers, trois candidats, deux candidats et demi. Le jeu Top, je suis une émission de France Télé dans laquelle on joue du pipeau, mais je ne suis pas les questions au gouvernement. La flûte enchantée est un de mes grands classiques, mais je ne suis pas des SK. Oh non. Je permets d'écouter du Mozart et du Bach pendant deux heures, mais je ne suis pas le numéro de Pôle emploi. Je suis... La grande battle. La grande battle, Jean-Marc. Wouhou. Où qu'il est, Jean-Marc. Où qu'il est. Ah, où qu'il est. Ah. On reste concentré. Il fait pas ça, Julien. Mais si, il fait ça, Julien. Mais si, il fait ça. Comme ça. Je l'aime, ce jeu. Jean-Marc, tu gagnes une encyclopédie des musiques d'ascenseur en 18 étages. Merci. 18 étages. Bonjour, c'est Ariel Dombal. Jean-François, dans la grande battle, vous redonnez une seconde jeunesse à des grands classiques. C'est exactement ce que fait mon chirurgien esthétique. Oh, non. Salut, c'est Nikos. Salade, tomate, oignon, liagas. Jean-François, je voulais vous souhaiter bonne chance pour votre émission de ce soir, même s'il faut reconnaître qu'à TF1, on est loin devant vous. Et oui, les battles dans The Voice, c'était il y a 3 semaines. Comme quoi, il n'y a pas qu'avec les audiences qu'on devance France 2. Bonjour, la compagnie. Ah, c'est la dessus, Jean 2. Comme ça, Zigel, dans ton émission, donne un coup de jeune à des grands morceaux. Ah, je pourrais participer parce que Tata Chantal, c'est un sacré morceau. Il écoute Jeanne, elle en prend plus souvent qu'à son tour. Hein? Regardez-le, Morandini, il en peut plus. Mais forcément. Écoute Jeanne, j'ai dit, t'es hors jeu, mon vieux. Salut, c'est David Guetta. Je suis super content d'être là. Moi j'adore les chefs d'orchestre parce que eux et moi on fait de la musique de la même façon, les bras en l'air et sans jamais toucher un instrument. Ouais! Allez Julie, Jean-Marc, Jean-François, tout le monde! Les bras en l'air! C'est ça! Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray, qu'on retrouve en spectacle du jeudi au samedi au Théâtre Beau à Paris. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.